gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur KaFaction, le meilleur serveur PvP Faction de la planète les amis. Et oui, de la planète. Aujourd'hui les amis, on est toute seule, toujours comme pas. Vous savez les amis, je n'ai aucun ami, putain, j'ai même essayé d'en acheter sur eBay. Il n'en vendait pas, personne ne vendait des foutus amis. Donc laissez un pouce bleu les amis, si vous voulez être mon ami. Et puis moi, j'aimerais qu'on ait 300 pouces bleus, et oui. Et oui les amis, aujourd'hui on va, j'ai juste une chose à vous dire en fait. Vous avez sûrement dû cliquer sur la vidéo à cause du titre. Parce que le titre, c'est marqué merci. Oui, le titre est merci. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire genre, waouh, con, tu vas encore faire comme tous les youtubeurs, tu vas nous remercier pour tes 1 million d'abonnés, tes 10 millions d'abonnés, tes 100 millions d'abonnés. Et non les amis. Aujourd'hui, je vais vous dire merci pour plusieurs choses. Déjà, juste avant qu'on rentre dans la vidéo, je voulais juste remercier la personne qui a fait mon design, donc Maxence. Un gros merci à toi. Il fait des designs. Vous pouvez le contacter sur Twitter. Je vais mettre son Twitter dans la description. C'est une trentaine d'euros. Et puis, vous avez un logo bannière dessiné comme la mienne. J'espère que vous l'aimez vraiment beaucoup parce que moi, je la trouve vraiment mignonne. Et non, je suis pas roux ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo réel bientôt. Donc, en fait, j'ai dit que j'allais mettre une photo de ma tête sur Twitter à 4000 abonnés. Et il manque 300 abonnés. Donc si 300 d'entre vous ont envie de voir ma tête, je vais mettre une photo de ma gueule sur Twitter dans le fond. So, si vous avez envie de me follow sur Twitter, ce serait vraiment, vraiment sympathique. Quand j'aurai 4000 abonnés, je vais mettre un tweet avec ma tête. Donc voilà. Aussi, juste aussi, dernière parenthèse, je vais vous parler de la mise à jour sur KaFaction vers la fin de la vidéo. Donc un peu, je vais juste parler du titre, ensuite je vais parler de la mise à jour qu'il y a eu sur KaFaction. Et puis voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Et demain, il y aura un let's play, je l'espère, je vais essayer de tourner. Si j'ai une bonne idée ou quelque chose comme ça, je vais essayer de le tourner le plus rapidement possible. Donc pourquoi le titre? Merci. Merci à vous, les amis. Merci parce que je sais que tout le monde vous le dit déjà, et puis, tu sais, tout le monde le dit, quoi. Mais vraiment, sincèrement, un gros merci à chacun d'entre vous pour l'accueil et l'amour que vous donnez à KaFaction. C'est un truc de fou. On est rendu 9803 joueurs qui sont connectés au serveur. Je sais pas si vous comprenez, mais ça, c'est 9000 personnes et plus qui sont connectées au serveur en exactement... un mois, parce que le serveur est ouvert le 19, on est le 18 aujourd'hui, donc ça fait un mois demain que le serveur est ouvert, et ça c'est presque 10 000 personnes en un mois, et c'est juste un truc de fou parce qu'on a commencé à l'ouverture, on était 250, on n'arrivait pas à passer la barre des 250, on n'était pas 300, ça marchait pas, les gens ils se connectaient pas, et puis du jour au lendemain on a commencé à monter à 300, 350. Là, on a dit, oh, on va mettre plus de slots. On a mis 400 slots. Ensuite, on a vu, on a dit, crime, on est toujours 400, on va mettre 450 slots. On a vu que ça laguait, on est redescendu à 400 slots. Et puis maintenant, tous les jours de la semaine, le serveur est full. Tous les jours du week-end, le serveur est full, full, full. Quand je dis full, 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 c'est vraiment que vous êtes plus de 600 personnes à vouloir vous connecter au serveur. Je rigole pas, les amis. La console, pour les gens qui ont des serveurs Minecraft, la console est spammée. Spammer, spammer de connexion, on peut même pas voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que ça, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à vouloir vous connecter au serveur. Et puis malheureusement, on peut pas vous donner accès au serveur. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu faire, c'est de vous ouvrir un hub. Qu'est-ce qu'il y aura dans le hub? Peut-être un training. On sait pas trop encore qu'est-ce qu'on va instaurer dans le hub, honnêtement, on sait pas encore, mais on aimerait ça avoir des systèmes de jump. Vraiment des trucs pour amuser les 100 quelques personnes qui pourront pas se connecter au serveur. Parce que le serveur continue de grossir et grossir chaque jour, et ça c'est grâce à vous les amis. Grâce aux youtubeurs qui font des vidéos, donc merci à tous les youtubeurs. Je pense à Chasseur de Tulip, Titux, Flows, District, QC Hux, plein de youtubeurs. Je sais pas toute votre liste, vos noms en ce moment, mais tous les youtubeurs, ils vont se reconnaître, ils savent. Il y en a aucun d'entre eux qui sont venus nous demander de l'argent, qui nous ont dit ouais, Cons, on veut être payé pour faire des vidéos sur ton serveur. On a payé aucun youtubeur, et puis tous ceux-là que je vous ai nommés, tous ceux que vous voyez sur le serveur, ils viennent jouer parce que le serveur leur plaise. Et ça, les amis, c'est un truc de malade. Je pensais jamais faire un serveur, jamais. Jamais, jamais dans... Vous m'avez dit qu'il y a un an, pour iCode, à un moment donné, tu vas faire un serveur, puis il va avoir 400 cours connectés, stable. Je vais vous montrer un truc sur mon Twitter. En fait, c'est un tweet que je vous l'affiche à l'écran maintenant. C'est un tweet que j'ai mis. Ça, c'est avec un timing. Donc, on peut faire des timings avec timing past, etc. Comme ça. Oups. Ça prend un S. On peut voir le nombre de joueurs, etc., simultanément connecté, notre moyenne de joueurs connectés, etc.
vous allez voir que le moyenne de joueurs connectés est de 400.39, quelque chose comme ça. C'est juste un truc incroyable, les amis. Je sais pas. Je sais que les serveurs, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des petits lags quand on est 400. C'est normal. On essaie de le plus possible de le tenir maximum le plus qu'on peut. Mais là, en ce moment, on fait vraiment notre mieux au niveau de la redstone, l'optimisation, etc. On travaille de notre mieux. Mais comme vous, si vous êtes un joueur de serveur, vous savez que les serveurs lag de moins en moins. Et puis, on fait notre possible pour ça. Ok. Maintenant, merci à tous, c'était vraiment ça pour ça le titre. Maintenant, passons aux mises à jour. Donc, mise à jour, quand vous faites un coin flip, ok, quand vous faites un coin flip, vous pouvez maintenant, exemple, vous déconnectez ou il y a un redémarrage, vous perdez pas automatiquement votre coin flip, ça vous redonne votre argent. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà là, mais qu'on a fait un petit fix là-dessus. Ensuite, le temps, donc, quand vous faites start temps, parfois, si le chunk n'était pas chargé, parfois, qu'est-ce qui arrivait, c'est que, comme là, en ce moment, le chunk n'était pas chargé, les cœurs apparaissaient pas. Maintenant, vous avez vu, toutes les cœurs ont apparu. Je les ai juste cassés. Bon, les gens, ils pourront faire le temple, ça me dérange pas tellement. Et comme vous voyez, il apparaissent toutes les cœurs. Donc, ça, c'est été réglé. Le barmaid, donc, warbar, là, le barmaid, il n'a pas été fait. C'était juste, j'ai juste refait 3-4 potions. Voilà, j'ai fait quelques potions, mais je vais le faire tout de suite après ma vidéo, pendant mon rendu. Donc, en gros, on a rajouté le barmaid et on a fixé un bug. Donc, il y avait un bug avec le barmaid. En fait, quand vous vous déconnectez, donc, par exemple, je me déconnecte, comme ça, je me reconnecte au launcher. D'ailleurs, on va rajouter un lobby, un hub et pour tout ça, je vous en ai déjà parlé justement. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils spammaient la commande, le truc comme ça, et ils pouvaient gagner 1 million de fois. On a réglé le souci, donc maintenant, vous pouvez plus faire ça. Je pensais ça mon mot de passe, ouais, j'étais pas sûr. Donc, vous pouvez plus faire ça maintenant, ça c'était corrigé. Ensuite, on a aussi retiré le bug au trade. Donc, quand vous faisiez slash trade et vous changez l'argent, ça allait annuler la confirmation de votre personne avec qui vous faisiez l'échange, votre marchand. Donc, ça a été fixe. Donc, maintenant, vous ne pouvez plus vous faire arnaquer via le slash trade. Aussi, on a mis à jour les règles sur le site. Donc, si vous voulez aller voir les règles sur le site et tout, vous pouvez y aller. Vous allez dans l'annonce règlement. Il y aura un lien dans la description. Assurez-vous que vous allez régler tout ça. On est en work in progress. Donc, les trucs qui sont en cours de progression, c'est les connexions au serveur, même si le serveur est full. Donc, on va rajouter 450 slots. Les 50 slots supplémentaires vont être réservés aux élites et aux membres du staff. Donc, si vous voulez être grade élite, ça coûte une trentaine d'euros pour la durée de la version. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez avoir accès au serveur. Quand le serveur est full, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler sur un slash option. Donc, ça va être un slash option comme ça. Vous allez pouvoir désactiver les messages du KOTH. Vous allez pouvoir désactiver les messages de Lucky Box. Vous allez pouvoir désactiver les petits bing 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 quand les gens vous mentionnent comme ça. Comme ça. Vous allez pouvoir désactiver plein et activer plein de trucs. Donc, le serveur va vraiment être customisable comme vous le pouvez. Même chose pour les mods. Donc, vous allez avoir un bouton. À la place de particule mode, mode caché F3, vous allez avoir un bouton qui va s'appeler option cofaction. Vous allez pouvoir cliquer dessus et cocher et décocher certains trucs qu'il y aura sur le truc. On va aussi peut-être ajouter des modes de waypoint, donc des waypoints qui vont être ajoutés au serveur. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Certains d'entre vous veulent voir ça. Donc on va sûrement rajouter ça dès que possible au launcher. Donc ça va être au courant de la mise à jour 1.9. On est rendu à la 1.8 en ce moment, donc voilà. Et puis ne vous inquiétez pas les amis, il y en a beaucoup qui disent ouais, ça fait un mois que le serveur est là, il coule toujours pas. Est-ce qu'il y a quand vous avez des dates, est-ce que vous pensez fermer le serveur? Les amis, on n'a pas de date, on n'a pas de fermeture de serveur. Le serveur il roule super bien, on a eu zéro problème sauf un petit rollback à cause d'un bug de duplication qu'il y a eu grâce à un plugin Klux avait fait, qui était le plugin enchère. Comme vous pouvez voir en ce moment, le plugin enchère marche super bien. Les enchères se terminent dans 12 minutes. C'est des trucs aléatoires qui se mettent. Et là, il y a un casque en épidote, un casque en volcanite, excusez-moi, pour seulement 2500. Donc, si vous voulez enchérir, vous pouvez enchérir comme ça. Vous cliquez ici, ça vous le dit. Et là, maintenant, je suis le dernier enrichisseur dessus. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, le jackpot aussi. Donc, vous avez le jackpot. Ça, j'en ai parlé sûrement. Vous pouvez acheter un jackpot buy. Vous pouvez acheter plein de tickets. Et puis, si vous voulez voir à combien le jackpot est rendu, là, on peut voir que le jackpot est rendu à 36 000 $ et il y a 72 participants. Donc, vous payez 500 $ pour un ticket, vous pouvez gagner le total de 36 000 $ ou du montant qui sera mis en limite. Aussi le slash mine, donc le slash mine, maintenant il y a une limite de 35 000. Je vais mettre une mine par exemple, de 35 000 parce que comme vous allez voir dans la vidéo de QCX, il a un peu niqué notre blue. Donc maintenant, il y a seulement une limite de 35 000 $. Vous pouvez quand même vous faire du profit. Comme vous voyez, je suis en train d'en faire quand même pas mal en ce moment. Mais c'est... Oh, j'ai tout perdu. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile de faire du truc. Tu veux prendre le screen, mon cher ami? Allez, let's go. Donc voilà. Aussi, dernier truc que je voulais vous dire. Ben, ce week-end, donc samedi, on va faire un...
un tournoi PVP. Donc, on va organiser un tournoi PVP. Je vais juste regarder le forum. On va poster toutes les informations sur le forum. Mais on va organiser un tournoi PVP entre factions. Il faudra s'inscrire et il y aura seulement 12 équipes. Donc, même si vous êtes dans d'autres factions ou quoi que ce soit, vous allez devoir vous arranger pour ce truc-là. Mais bon, il y aura 12 équipes. Ça va être un tournoi avec des braquettes. Et puis, le gagnant va gagner un total de 100 euros de points boutique. Donc, séparé par 5, ça vous fait, je pense, 15 points boutique chacun. 15 euros de points boutique chacun, quelque chose en charge. Je ne sais pas exactement compter. Donc, voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je vais manger ma petite fraise et je vous embrasse. C'était Arikons. Passez à tous une excellente journée. Laissez un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je vous aime. C'était Arikons. Bye!